Coucou tout le monde et bienvenue devant l'épisode je ne sais plus combien de Broken Age où on a la pauvre Vella qui tourne et qui tourne et qui tourne. Alors, on m'a donné une solution pour choper ces petites bottes, c'est comme pour choper le casque, c'est une question de timing. Pas pour choper la main, je veux dire, c'est une question de timing. Faut que j'attende que la main soit fermée. Et normalement... Yep. Par contre, je sais pas ce que je dois en faire maintenant. Oh, c'est accroché à la main. Ouais, ça pourra pas attraper autre chose. Still not long enough. Et elle s'ouvre plus, elle? Ah si. Oh. Oh. Ah oui, c'est vrai que c'était aimanté. Hey, I recognize that grip. I'll bet you were inside one of those tentacles that grabbed me on the beach. D'accord. Probably one of the ones I shot, I'm guessing. Well, serves you right. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller en bas? Maybe I can push off this thing. Woohoo! Space. Ok. I did it. Oh come on. Ok, donc il n'y a même pas besoin de rattraper l'autre chaussure. That's better. The air was starting to get a little thin out there. Alors, c'est bien tout amoché là-dedans. I'm either in some sort of hallway or else it's the creature's esophagus. Pas les petits mignons. On continue, hein, on va bien finir par trouver de toute façon. Oh, il y en a un là. We're moving. That means I brought Mogchathra back to life. Are you another prisoner of Mogchathra? Must be a maiden from some land of hexagons. Don't worry, little hexagal. I'm gonna find all the other maidens and get us all out of here, okay? Ils sont mignons. J'ai rien d'intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici déjà? Il y a une porte là, il y a une porte là, il y a une porte là. Is that a train? Okay. This door doesn't open. Peut-être que j'aurais dû aller voir l'autre porte avant. This place is a mess. Mogchathra may be alive again, but he doesn't look so hot. Oh. Attends, c'est là d'où je viens, ça. Ouais. On n'a pas essayé d'aller là. Hello? Looks like this closet is asleep. Ok. Ça c'est la poubelle, donc on s'en fout. Warning. Objects placed into this trash chute will be jettisoned from the ship. Oui, non, tu vas pas aller dans la poubelle. Allez, on va prendre la porte. Donc. C'est une porte toute tristounette. Looks like something horrible is in here. But what? Door won't open. That's going to start a fire. Super, c'est rassurant. So much junk in here. That does not look safe. Et ça souffre encore, ça? Oh. J'imagine que cette porte non plus s'ouvre pas. This must be the room where they melt stuff. Oh. Ouais. Must be locked or something. Il y aura juste cette porte là en fait. Qui s'ouvre. Pas mal. Ah, the belly of the beast. On est vraiment en train de se barrer loin là en fait. Either way, monster or machine, I took it down before. Should be even easier from the inside. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Not opening. OK. Je sais pas trop où on va là, on voyage. Looks important, but also super fake. Must be a decoy. See? We're not in space, Dutch. I knew that. I'm the one that took this ship down, you remember? No, I'm the one that took it down. But let's not fight. Let's team up and take it down again together. As long as it involves me cutting stuff, I'm in. Je l'aime bien ce couteau. Par là, il y avait... Locked, non. Maybe. If I could find
find the brains of this operation, I could open all these. Faut que je trouve le loup là. J'ai oublié son nom. Ça c'est la cuisine ça. What? Dommage. Ah, c'est maman ça. Hello in there. Who's out there? I can barely hear you. All clear. It's safe to come out now. Safe? Who are you kidding? Okay. The ship's on fire. You have to get out of there. I know the ship's on fire. That's why I'm staying put in this fireproof room until I figure out what to do. Who is this? Je vais pas dire que je suis là pour finir avec toi. C'est agressif. I could, but I won't. Not until I know who you are. Si tu essaies de la buter, ça va pas le faire. Enfin, on peut pas la menacer. My name is Bella Tartine. Ah, Tartine, son de famille, j'ai jamais capté en fait. Did you say Martine? Shay, is that you making a joke? Engineering tout et tout, hein, mais routine maintenance visit. Engineering department? What are you talking about? Is that you, Shay? It's me, Shay. Really? Is that really you, Shay? You sound so strange. Non, non, lui dis pas que t'es blessé, hein. It's me. Don't you recognize me? Well, not really, to tell you the truth. I was injured. It's affecting my voice. Oh, that sounds terrible. Oh. It's true. Oh, I just don't know what to believe. Okay, okay. I'm not really Shay. What? Are you playing some kind of cruel joke on me? If you don't believe I'm Shay, okay, I'm ouais, bon. Leaving. Ça servait à rien. Oh, I just don't know what to believe right now. My son would understand that. Maybe. Et ça, c'est fait. Tu peux pas cliquer dessus. Je pense qu'il faut qu'on se déguise, peut-être. Oh, c'est sa chambre, ça. What's this? Some sort of living quarters? Oh, vous avez l'air trop triste là. Oh, quit with the sad stuff, Mogchathra. You brought this ça, on yourself. Lit. Gruesome. Wait, is that real? Okay, that's definitely fake. Whew. Ouais, non, j'ai pas de quoi me déguiser. Par contre, il y a toujours le trou pour aller voir le loup. Huh. Someone pried open this vent. I wonder why. T'as les yeux, ils sont bizarres. There's only one way to find out. Elle avait un œil qui partait dans le mauvais sens. Moi j'aime bien le vaisseau. J'aime bien cet univers. Shay, you. Ah merde. It's you. The last one. Who are you? Are you in control of this monster ship? No. She is in control. The brains. I was just a stowaway set to save the young boy. Voilà, on va poser toutes les questions, je pense, ça peut être intéressant. The one they call Mom. She's been programmed to keep the boy safe, but she's taken it beyond sanity or reason. Now he is her prisoner. We all are. Non, non, il est sorti, t'inquiète. Who's her? I mean, who is she? She's the brains of this ship. You can find her in the room next to the galley. But be careful. C'est quoi une campuse? She has eyes and hands everywhere. The boy is not a prisoner anymore. He escaped when I boarded. I see. Well, that shouldn't affect the mission. Which mission? To get control of this ship and end this madness. Is the boy the one kidnapping maidens? No. And yes. He made the selections, but didn't know what he was selecting. He thought he was rescuing helpless creatures, because that's really what we were doing. Mais du coup, elles sont mortes ou pas? We were saving you from the plague. What plague? Get me out of here and I'll explain. Ça devient bizarre là.
Why did you have the boy select whom you were rescuing? Even our best technology is no match for the instincts of a boy like Shay, especially at his age. You're not really explaining anything. It's hard for me to talk. Get this off of me, and I can explain. Pas pourquoi moi j'ai pas confiance en toi. C'est tout, hein. Why did you call me the last one? You were the last creature, final subject of our rescue mission. Shay seemed especially interested in you on more than one occasion. Why did you single me out? I assume he sensed your strength somehow, your spirit. I hope he was right. Mais sont où les autres? Other maidens you rescued. They're safe, but locked up. Once we elles sont pas mortes alors. The ship back from her, we can free them. Mais ce que je comprends pas, c'est que le banquet des demoiselles arrive, je crois, je sais plus, tous les ans, enfin, ils savent que ça se produit. Donc c'est pas la première fois qu'il se passe ça, donc il y a d'autres vaisseaux, ou alors ça fait des années qu'ils font ça, mais c'est pas possible, parce que, enfin, là je comprends pas. Ouais, on va où là? I assume back to its homeland to deliver us to its masters. Ah. Hey. Wait, you're a wolf. Non. Sorry, I've had a really strange day. It's getting hard to recognize strange things right away. It's a long story, but I promise if you help me get out of here, I'll explain everything. Can we stop this ship? Yes. But only if we can get into the central control room. Là, y a le truc qui tisse. She's locked the door with some sort of manual override. It can only be opened by her. D'accord. From the inside. Ça va être chiant. Can you open any of the locked doors on the ship? Well, my arms are pinned. Oui, c'est bon, on va t'aider. Ah non, c'est bon. One button. Cool. That's the best I can do. Thanks. I can work with that. I've got to go. Get into ah, tu the le central laisses, control room. It's the only way to stop this. I don't want to free this guy until I'm 100% sure about him. Je comprends. Alors, c'est là qu'elles sont enfermées, non? This door is locked. Wonder what they keep in here. Je crois qu'ils avaient dit ça, non? Je sais plus. Looks like some sort of animal sleeps here. Hop, allez. Looks like a museum in here after a tornado. Wonder if I can learn something about that kid in here. Il faut qu'on regarde des trucs. On va regarder des trucs. Looks like a note. Written by a little kid. Dear Shoe Fairy, thanks for the shoes. Aw, the red striped ones were cool, and so were the green ones with skulls. But next year, could I please have red shoes with skulls? Please, please, please. Chaussures rouges avec des crânes. Sheesh, demanding. C'est quoi ça? Looks like some sort of medical report. Metabot exam report. Patient continues normal, healthy development. Unlike his first 5 years, this year has been marked by a remarkable growth spurt. In 1 year, he has grown 2 inches taller and gained 3 shoe sizes. Splarg therapy appears to be working. Splarg? Je sais plus ce que c'est le Splarg. Shay Volta, best actor, Purple Boots, the musical. Il y a plein de trucs en fait. Safety award, aquatics category. C'est quoi ça? Shay's first space boots, age 5. D'accord. Si on nous les montre comme ça, c'est que c'est important. Elles sont quoi, dorées avec des points? That train wreck looks like ominous foreshadowing to me. Bon, faut que je retienne les bottes. Safety award, footwear category. Je crois que je dois retenir plein de trucs en fait, ce que je suis en train de dire. Sack. Il y a une photo là. I'll bet someone was trying to knit socks and they ended up too long. And so snake. Il est trop mignon, j'avais pas vu sa tête. Il a eu les chaussures avec les têtes de mort. Donc
ça tourne beaucoup autour des chaussures, j'ai l'impression. Donc, c'est du 39 et il avait dit rouge avec des têtes de mort, je crois. Attends, c'est quoi, Rosie? Looks like a note written by a little kid. Dear shoe fairy, thanks for the shoes. Aw, the red striped ones were cool, and so were the green ones with skulls. But next year, could I please have red shoes? Rouge avec des crânes, ok. Parce que, mais là, il a des d'autres chaussures. Je comprends pas trop tout. I'll give this guy one excuse. He had a weird. Voulait être pompier quand il était petit. Je crois que j'ai tout vu ce que j'avais à voir. Hello? Hey, who are you? My name's Bella. What's yours? Mine? Well, mine is, gosh, it's been so long since anyone asked. Let me look it up. It's Melanie. Oh, c'est mignon. Are you a closet, Melanie? Kind of. Step inside. I'll show you. Bah, go. Est-ce que ça lui fait rétrécir la tête et tout? Close those eyes tight to make sure your eyeballs make it to the same place you do. Oh. What? Close your eyes and don't look down. Surprise! I'm a teleporter. Now you tell me a secret. Hey, where'd the other room go? What's wrong with my head? And my voice? Oh, j'ai no, pas fait gaffe. Elle a pas l'air plus petite, cette. Ah, d'accord, plus grosse. Oh, bah c'est temporaire, ça va. This is weird. Mais avant de repasser, moi je veux regarder un petit peu ce qu'il y a ici en fait. Genre là. Hello? Il dort. Elle est désactivée complètement, les autres sont allumés. Donc on va aller dans l'autre alors. Mélanie Nadine. Ok. Hi. Who wants to go to the starboard passageway? It's so nice to de-risk people. Miss you already. Elle a rétréci sa tête. There's my old head again. Are you sure? It still looks a little big to me. Yes, this is all brains. All right, all right. Attends, maintenant qu'on a appris des choses sur Shay, on peut peut-être aller voir sa mère. Ah non, je peux pas faire ça. Allez, avance. Et faire genre, regarde, je suis Shay parce que blablabla. Ça c'est toujours fermé. Ah mais ça du coup ça a dû être ouvert, du coup il a ouvert les portes, non? D'accord, peut-être qu'il faut que j'ai une tête grosse en fait, parce que là elle est plus grosse ma tête. Attendez, on va retester des trucs. Ça c'est ouvert ou toujours pas? Non, toujours pas. Hello in there. Who's out there? I can barely hear you. It's me, Shay. Elle disait que ça lui changeait la voix quand elle avait la tête qui grossissait. Ouais, donc je pense qu'il faut que j'aille faire grossir la tête. Tais-toi. Allez, on retourne là-bas. Après, on passe là. J'avais oublié qu'on pouvait sortir la salle des téléporteurs, en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est... Dépêche-toi. Est-ce que je peux regarder ça? Hop, on repasse là. Hop, on reprend le téléporteur si elle veut bien me laisser. Hey Mel. Oh, c'est mignon. Fingers crossed. Remember to come back through the way you came to avoid unwanted alterations. You made my head bigger. Don't worry, sweetie, it's temporary. On va passer par là et on va essayer de voir si on peut aller voir bah, maman du coup. Ma tête elle est plus grosse. Bonjour. Hello in there. Who's out there? Ah, elle a la voix un peu plus grave, ouais.
Do I sound more like Shay? I mean, myself, now? Maybe, but I... You sound so strange. If you don't believe I'm Shay... Ah, faut que je refasse encore plus gros. Oh, I just don't know what... Plus grosse la tête. Ça devient embêtant, là. C'est dû faire reprendre encore un téléporteur, mais je comprends plus l'essence des téléporteurs. Parce que tu lui as fait rétrécir la tête tout à l'heure, alors que bah non, normalement. Celui-là, il fonctionne pas. Hey there. Ah si. Ok. C'est lequel qui fonctionne pas alors? Ce qui mène où? Je comprends rien. J'y arrive plus. Je sais plus. Ah, elle a une tête encore plus grosse. Now it's even bigger. Don't push it, honey. Come back through me before you pop. Ok, parce qu'on va faire c'est quoi? On va parler à maman et après on va s'arrêter là, je pense. Hello in there. Who's out there? I can barely hear you. It's me, Shay. You sound kind of funny. It must be the intercom. Mais oui, c'est interphone. I need a little more proof, Shay. I mean, whoever you are. I want to believe it's you, Shay, but everything is just so strange right now. First the crash and then my controls went dead and now I can't reach your father. I don't know who to trust. So just make me feel better by answering a few easy questions, okay? Ouais, j'ai bien fait de... Sure. De toute façon, c'est normal de nous montrer les bottes en premier plan et tout, donc... What was the name of your favorite stuffed animal as a child? Captain? Bisous. Is that your answer? Yes. Captain Kissy, I see. You're not my son. No. Quoi? Wait, I was thinking of my second favorite toy. Let me try that ouais, again. Je peux le savoir, ça, j'ai pas vu. Je l'ai pas vu dans la pièce. Attends, c'est où du coup qu'il faut aller? On va y retourner. Comment je peux savoir c'est quoi? Ou alors c'est dans... Non, c'est pas dans sa chambre. J'ai peut-être loupé un dessin. Comment il s'appelle son doudou préféré là? J'en sais rien moi. Il y a des toutous là. It's a painting of what looks like a red... Oui, on a bien compris que les bottes étaient rouges, ça t'inquiète pas. I wonder if he lost his first teeth by licking a moving beater like I did. Quoi? Attends, ça, I'll give this guy one excuse. He had a weird childhood. Il y a pas de doudou là en fait, donc Second place, shoe tying contest. I'll bet someone was trying to knit socks. Super serpent. And so... J'ai dû louper quelque chose. Ça, c'est les dents, on s'en fout. Le train, ça, ses chaussures. Ouais, on s'en fout. Est-ce que là-dedans il en parle? C'est un rapport médical. Metabot exam report. Patient continues normal, healthy development. Unlike his first 5 years. This year has been marked by a remarkable growth spurt. In 1 year, he has grown 2 inches taller and gained 3 shoe sizes. Splark therapy appears to be working. Splark? Il y a rien d'autre, hein, parce que là, c'est pour les chaussures, là, encore. Dear shoe fairy, thanks for the shoes. Aw, the red striped ones were cool. Mais par contre, l'épisode commence à être long, donc ça m'embête un peu. But next year, could I please have red shoes with skulls? Please, please, please. Thanks. Shay. Sheesh. Bon. Demanding. Est-ce qu'il y a un endroit où on a pas sa chambre?
Attends. Forcément un truc que j'ai loupé. Il y a quelque chose dans sa chambre qui s'apparente à une peluche. Gruesome. Wait. Non, il n'y a rien qui ressemble à une peluche. Rien du tout. On va où là? Je sais plus, je suis perdue. Peut-être sur le bureau. Là où il y a le... Oui, oui, c'est bon, tu pleures, je sais. Il n'y a pas de peluche là-dessus, là? Il n'y a rien là? Seriously, who do they think they're fooling with this baby stuff? Seriously. D'accord. Non, 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 mais moi je voulais que tu observes un petit peu ce qu'il y a ici. Oh non, il n'y a rien. Hein. Peut-être qu'ils l'ont dit dans le jeu, mais que je me souviens plus, moi. Sorry, once they're locked, only mom can open them. She's the brain of the operation. The brain, eh? Can you take me to her? On s'en fout. Allez. On va réessayer. Sinon, vu après, là, vu la durée de l'épisode. Ah, ça a enlevé des. Go on. Puggy. Is that your answer? Yes. Mr. Puggy, I see. Oh, Shay, I'm so ah, d'accord, ok. Bon, c'est bon. Fallait aller au pif, en fait. He was the first friend I ever knit for you. I'm starting to feel kind of bad about this. What was that? Nothing. I see. Well, I have another question oh, for you. C'est chiant. Of all my little pet names for you, which one was your favorite? Il aimait pas les... Ça me dit rien tout ça. Il était blasé, hein. En fait, je crois que ça joue vraiment beaucoup avec ce que nous on a vécu avec Shay. Ouais. Ok, ça se joue aussi. Faut penser à ce qu'on a fait avec lui avant. J'imagine que Monsieur Calin en a dû en parler avant, mais je vous appelle moi. Allez. As he would surely remember, I tried to keep things fresh by never repeating a color or a pattern. So, please tell me what was the color, size, and pattern of his very first space boots? Ben rouge. And the size? 39. Ah, y a pas. Alors attends, ça disait dans le rapport médical qu'il avait pris 3 pointures, donc 36. Size 4. And the pattern. Non, c'est pas ça. Oh, merde. On recommence. On va y arriver. Alors, elles étaient rouges. 36. Et est-ce qu'elles étaient à poids ou rayées? On va mettre rayées. Oh, c'est pas vrai. Tais-toi. Ah! Mince, j'ai zappé. Non, mais c'est bon. J'avais trouvé. Je suis sûre j'ai trouvé. Oh. Voilà. Well, hard part's done. Now I just have to fill it in. Bah, on fera ça la prochaine fois. Je peux cliquer dessus? D'accord. Bon, et écoute, on verra ça la prochaine fois parce que là, il dure très très longtemps cet épisode. Donc en fait, c'était fait exprès qu'on se trompe peut-être, je ne sais pas. Voilà, bon. En tout cas, c'est ici qu'on va s'arrêter. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et le petit commentaire. On se retrouve très très vite pour la suite. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye !